Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis, ce soir Powerwatch bien sûr, ça fait longtemps, on veut la triple buse, et voilà quoi. Tu as vu l'émission publique sur CNews? Enfin, j'ai pas vu l'émission mais j'ai vu l'extrait qui a tourné, oui. J'ai vu le tweet de Fred où il se fait chier dessus, et où je me fais chier dessus du coup aussi. Comment ça tu te fais chier dessus? Ah bah en gros, sur CNews, il y a eu une émission... Où il disait que le plus... Enfin, faut voir l'extrême, mais en gros, ils disent le plus gros des problèmes dont personne ne parle en ce moment, c'est le combat ange-démon. Donc c'est clairement du prosélytisme et tout, sur CNews, machin, tout ça. Et l'extrait, il a tourné de fou. Et Fred, JDG, il a code-tweet le truc en disant « what the fuck », en gros. « What the fuck, ce truc ?» Et les gens... Vu qu'il y a plein de gens de son public qui estiment qu'il est assez conservateur, on va dire, ont été très déçus de sa prise de position par rapport à cet extrait. Et on dit que c'était de notre faute, à nous autres, les PNJ de Twitch. Parce qu'on on l'influence mal, tu vois. Global. Ah, mais il y a plein de théories sur... les gens fantasment beaucoup. Fred et moi aussi, hein, sur plein de points. Ça c'est normal, moi, pour le coup, de fantasmer sur moi. Ça c'est normal. Depuis le book, d'autant plus. Parce que c'est Fred qui me l'a montré, la réponse où il parle, où les gens parlent de moi. Il dit, ouais, c'est encore de la faute d'Antoine, quoi. Pas de ma faute.